sur 15-7. Rythme cardiaque, une pulsation toutes les 5 minutes. C'est une véritable catastrophe. Pardon ? Son état est stationnaire, professeur. Tout se déroule comme vous l'aviez prévu. Je parlais de la gamine qui s'est échappée du wagon A. Je lui donnerai une bonne fessée quand ils l'auront enfin rattrapée. J'ai entendu dire que cette gosse avait des pouvoirs surnaturels. Sophine va avoir du fil à retordre. Il paraît qu'elle a un certain pouvoir, en effet, que l'adresse pourrait utiliser à son profit. Et si Sophine est incapable de mettre la main sur une môme de 9 ans, elle n'est pas digne de faire partie de notre organisation. Qui est là? Comment es-tu entré? Viens ici, toi. Je suis désolée, j'ai été négligente. Je ne savais pas que cette gamine avait des dons. Tu t'es bien promenée, Soumire, mais maintenant ça suffit. Tu vas retourner à ta place. Je vais t'apporter un goûter. Non! Puisque vous l'avez retrouvée, je tairai cet incident. Emmenez-la maintenant. Non, je ne veux pas. Allez, viens. Non. La porte de ce wagon devait être infranchissable jusqu'à notre arrivée à destination. Allez, obéis, viens avec moi. Et pourtant, cette gosse a réussi à l'ouvrir. Elle ne peut pas connaître le code d'accès, donc elle a un don de double vue. L'adresse est tombée sur le gros lot. Cette fillette serait bien utile à notre service de renseignement. Mais de l'eau s'échappe de la capsule. Sophine, refermez la valve. Cette furie l'a déverrouillée. Pousse-toi. Aidez-moi. Tenez le couvercle. Ajoutez de l'eau à Kémy. Le couvercle, il ne va pas souffrir. La pression est trop forte. Sophine, vous avez bien refermé la valve. Sortie de sa léthargie. Bloquez les issues. Dépêchez-vous. Il ne doit pas quitter ce wagon. Emparez-vous de lui. Elle a décroché les wagons, la petite garce. Réveillé. C'est une véritable catastrophe. Nous ne devons pas le laisser s'échapper. Ce serait pire que de lâcher une bombe nucléaire. Il a une force incroyable. Comment l'attraper? Nous ne pouvons pas le laisser filer dans la nature. Si nous n'avons pas le choix, nous devons l'abattre. Visez la tête. C'est le seul moyen de le tuer.
Tu ne trouveras rien d'intéressant là-dedans. Tout ce que j'ai pu lire dans la presse, c'est qu'on avait retrouvé un wagon abandonné sur la voie. Que c'est un banal incident technique. Et curieusement, il n'y a pas une ligne sur les cadavres. Ils ont étouffé l'affaire. Ils doivent avoir le bras long. Tu en veux? Mais qui sont ces gens? Pourquoi on les intéresse? Je t'ai dit tout ce que je sais. Ils font partie d'une organisation qui s'appelle l'Adresse. Je ne suis pas sûre, mais je crois qu'ils font de la recherche sur quelque chose. Et toi, Eko, est-ce que ta mémoire est revenue? Non. Tu t'appelles Sumire, c'est bien ça? Ouais, et ça veut dire violette. C'est une infirmière japonaise qui a choisi. Je n'avais pas de nom. Pourquoi? Oh, c'est vrai, je t'ai pas dit. Je suis dans un orphelinat depuis ma naissance. La fenêtre de la pouponnière donnait sur un champ de violette. Voilà pourquoi on m'a appelée Sumire ou violette. Mais pourquoi est-ce que tu as déjà quitté l'orphelinat? Ne me dis pas que tu as fait une fugue. Non, j'étais plutôt bien là-bas. C'est le directeur qui m'a vendue. Il avait trop de pensionnaires, paraît-il. En fait, le professeur Kasumi-no-me lui a donné beaucoup d'argent. Oh oh. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai une vision. Il doit être éliminé dans les 24 heures. N'oubliez pas de brûler son cadavre. Notre cible est Bao. Bao? Oui, c'est ça. Je me souviens maintenant. Bao, c'est le nom que le professeur t'a donné dans le train. Bao? Bao, oui. Ah, tu sais, j'ai un don de double vue. Et c'est pour ça que l'adresse m'a acheté au directeur de l'orphelinat. Ils sont tout prêts, je les sens. Eko! Ah! Ah! Fais attention et cours! Nozo! J'ai besoin. Quoi? Tamo, toi. Quoi? J'ai besoin de te l'emprunter. Oh! Allez, Sumire, dépêche-toi. Grimpe derrière, accroche-toi. Nozo! Hé, hé, hé! Pas de bestioles sur ma bécane! Hé, hey, où vous allez? Hé, hey, ma bécane! Avec la gamine? Ils sont devenus copains ou quoi? Tant pis pour elle. Tu es là aussi, si la situation l'exige. Il a emmagasiné beaucoup d'énergie sur une ligne haute tension. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Tuez-le avant qu'il ne devienne un monstre féroce. Et n'oubliez pas, c'est très important, brûler son cadavre. Je vais le réduire en cendres. Lui et sa petite protégée. Salut. Vous l'estimez beaucoup, si vous pensez que votre tueur à gages peut vaincre le Bao à lui tout seul. Ne vous inquiétez pas, cet homme est le meilleur limier de notre organisation et en plus, c'est un dangereux psychopathe qui adore tuer. Je suis sûr qu'il retrouvera Ikuo avant qu'il ne soit trop tard. C'est une erreur impardonnable. La capsule n'aurait jamais dû s'ouvrir avant notre arrivée au quartier général. Nous devons retrouver ce garçon si nous ne voulons pas que notre découverte soit révélée au grand jour. Kasumi-no-me, nous n'avons que faire de votre chasse à l'homme. Nous sommes ici pour découvrir l'arme secrète que vous avez créée, le Bao. Nous avons assez perdu de temps. Commencez.
Ce chien a-t-il été contaminé par le Bao? En effet, il en a reçu une larve. Messieurs, j'ai donné naissance au Bao par accélération de l'évolution d'une espèce choisie dans des conditions extrêmes. Si nous parvenons à maîtriser cette créature, nous aurons un avantage certain sur le monde, tant sur le plan militaire que sur le plan médical. C'est pour ça que l'adresse vous paie grassement et subventionne vos expériences. Il y a 2 jours, j'ai introduit le Bao dans le dénommé Ikuo Ashizawa. Ce chien, par contre, est possédé, si je puis dire, depuis maintenant 1 mois. Et alors, qu'avez-vous constaté? Y a-t-il eu un changement de son comportement? Il est plus fort, plus puissant de jour en jour. Physiquement, la peau subit de sérieuses altérations. Elle se craquelle, comme devenue trop petite. Les lésions doivent commencer à apparaître sur la peau du jeune Ikuo. Il se réveille. Il va se lever. Sophine, ouvrez le sas E13. Tout de suite, professeur. C'est ça, votre phénomène de guerre? Un vrai tueur? Le combat n'est pas fini, messieurs. Le Bao déploie son pouvoir destructeur après avoir été attaqué. Comme ceci va le démontrer. J'ai le très grand honneur de vous présenter le projet Bao. Le nouveau phénomène de guerre. Quel sale temps! Ah, ça va pas, non? Tu trouves que je suis pas assez mouillée? Est-ce que tu as de l'argent? Ben, voilà tout ce que j'ai. C'est toujours plus que ce que j'ai, moi. Ikuo, comment va ta blessure? Elle est complètement guérie. Ah ouais? Excusez-moi, il y a quelqu'un? Je voudrais de l'essence. Il ne me reste plus qu'à brûler le cadavre. C'est pas possible! C'est quoi ce mec?
Voilà ce qui nous a convaincus de le baptiser phénomène de guerre. C'est un vrai cauchemar. Attends. Ah, 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 ah. Bravo, Dordo. Vous tirez avec beaucoup de précision. Il n'y a qu'un moyen pour anéantir un Bao, détruire son cerveau. Une balle de ce calibre l'étourdit temporairement. Seul le feu aura raison de lui. Cette expérience est très concluante, professeur. Continuez vos recherches. Si nous maîtrisions cette arme redoutable, nous serions les maîtres du monde. Je vous demande encore une minute d'attention, s'il vous plaît. Il va sortir à présent. Quoi ? Qu'est-ce qui doit sortir de quoi, professeur ? Cette larve avait élu domicile dans le cerveau du chien. C'est lui, le Bao. Je vous l'ai déjà dit, seules les flammes peuvent le détruire. Il y a 2 jours, j'ai injecté une larve de Bao dans les veines de Ikuo Ashizawa, le jeune garçon que nous recherchons. Elle est allée se loger dans son cerveau. Plus elle se développera et plus Ikuo aura de pouvoir. Si jamais elle arrivait à maturité, sa force, ses pouvoirs seraient inconcevables. Nous devons récupérer ce garçon avant qu'il ne soit trop tard, avant que le monde n'entende parler de ses exploits. Personne ne doit connaître l'existence de cette nouvelle arme biologique. Un incendie ? On était là-bas tout à l'heure. Qu'est-ce qui a bien pu déclencher ce feu ? Suis-je responsable ? L'agent numéro 22 a été supprimé. À présent, Ikuo est entré dans la phase phénomène de guerre. Dordo, si vous échouez, vous en endosserez la responsabilité. Est-ce que vous pouvez voir où se sont cachés le garçon et la gamine, Woken? Oui. Oui, je les vois. Je les vois dans un immeuble désaffecté. Un immeuble en ruine. Avez-vous besoin de mon aide, lieutenant Dordo?
Non, merci. Je suis encore capable d'éliminer deux enfants. Je sais comment procéder. Dans ce cas, je pourrais peut-être lire votre avenir. Comment ça? Ah! Ce café est froid. Je ne vois rien dans le café froid. Maman? Êtes-vous le professeur Kasumi nommé? Nous avons le patient que vous attendiez. Un accident de la route. Les parents sont morts, mais le jeune garçon est... Il est préférable de tenter l'expérience Bao sur un sujet jeune. Je vais maintenant injecter une larve dans le bras de ce jeune homme. Elle sera véhiculée par le sang jusqu'au cerveau, où elle se développera. Tu as fait un cauchemar? Non, ça me revient un peu. Je commence à me souvenir. Des images me reviennent. Ah, c'est super! Enfin, c'est vite dit, toutes ces choses que tu vas te rappeler ne sont peut-être pas très agréables. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Je vais essayer de deviner ton âge, mais je ne veux pas que tu m'aides. Je dirais 17 ans. Tu n'es pas tellement plus âgé que moi. Et j'ai déjà 9 ans, tu sais. Ça s'aggrave. Mais qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui se passe, Soumire? Du sang! Du sang? Montre. Je le vois! Du sang, beaucoup de sang partout. Ils sont en route, je les vois, et ils viennent pour nous tuer. Eh bien, Ekuo, sauvons-nous pendant qu'il en est encore temps. On doit partir le plus vite et le plus loin possible. Ne le laissez pas se transformer. Faites-lui exploser le crâne. J'ai la tête, j'en suis sûr. Mais il n'y a aucune trace d'eux. Je vois la fille. C'est bizarre, elle est toute seule. Si elle est là, il ne doit pas être bien loin. Il faut le trouver et le brûler. Ah 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 ah. Ah!
C'est moi, ça? Soumire? La promenade est finie. Je te ramène au quartier général de l'adresse. Si tu refuses de m'accompagner sagement, je lui fais sauter la cervelle. Suis-moi. Allez, viens. Viens en aide à cette pauvre petite qui t'appelle au secours. Allez, viens la délivrer. Je t'attends et crois en savoir. Appareil K2E7. Toujours aucune trace d'Ikuo. Ici l'appareil CR3. Rien de notre côté non plus. Nous allons faire un repérage dans la zone C2. 60 heures se sont écoulées depuis son évasion. Et les soldats de l'adresse n'ont toujours pas réussi à le retrouver. Mais maintenant qu'on tient la gosse, c'est lui qui va venir à nous. Parce qu'il ne la laissera pas tomber. Professeur Kasuminome, si on continue comme ça, on va finir par la tuer. Nous ne lui avons pas donné une goutte d'eau depuis son arrivée. Devons-nous interrompre la torture par le bruit? Mais non, réfléchissez. Les sens du Bao sont exacerbés à l'heure qu'il est. Il entend la souffrance de la gamine. Il ressent son désespoir. Il est attiré par elle, comme le requin par le sang. Je la sens. Je sens l'odeur de Soumire. Elle lutte désespérément. Elle lutte pour sa vie. On a repéré Ikuo Ashizawa. Il est là, il arrive. Par où? D'où vient-il? Quel chemin a-t-il emprunté? C'est incroyable, inimaginable. Il a l'air d'avoir traversé la grotte aux stalactites, sous le laboratoire. Est-il déjà entré dans la zone d'expérimentation? Prévenez Woken, Sofine, vite! J'y vais! Bienvenue, Bao. J'ai réservé cette balle à ton intention. Enfin, le terme bombe serait plus approprié. Ce petit projectile peut détruire un avion en plein ciel. Ta tête n'est qu'un vulgaire ballon baudruche rempli de sang et de cervelle, et je vais la faire exploser. Rien ne peut plus te sauver. Rendez-vous en enfer! Oh non, la balle! Le phénomène de guerre. Il peut maintenant produire sa propre énergie. Il a atteint une puissance comparable à celle d'une centrale nucléaire. Il a pris l'ascenseur, il descend. Troisième sous-sol. Quatrième. Cinquième. J'avais raison. Il a senti la gamine. Il sait où elle est. Septième sous-sol. Ah,
Je suis content de te rencontrer, Bao. Je suis Woken. Je suis né pour tuer. Mais enfin, professeur, que fait-il? Que signifient ces marques? Woken est le dernier survivant de la tribu indienne des Skoum. Son peuple vivait dans les montagnes en Amérique. Ce losange gravé sur son corps est une marque de respect et de courtoisie, et la croix, la mort pour son adversaire. Ça prouve que Woken a évalué la force de Bao. Il voit en lui un vrai combattant. Woken? L'imbattable Woken aurait peur de... Je suis prêt, Bao! Tempête moléculaire! Inutile. Tu te fatigues pour rien. J'ai le pouvoir de réduire en poussière tout ce qui m'approche de trop près. Hein? Tempête moléculaire! Bao est prisonnier du mur de fer. Bien joué, Woken. Le fer est un excellent conducteur. Il va absorber toute son énergie. Tous ceux qui n'étaient pas voués à posséder un pouvoir extraordinaire vivront dans d'atroces souffrances. Tel est le destin de monstres comme toi et moi. Tu peux te réjouir de m'avoir rencontré. Car je vais mettre fin à ton agonie. Il l'a tué, il a réussi à tuer Woken. Qu'allons-nous faire? Bao, je suis ton créateur. Je suis très satisfait, tu as bien combattu. Mais bien que tu aies répondu à toutes mes espérances, je ne peux pas te laisser anéantir l'adresse. Messieurs, je vais programmer l'autodestruction de ce laboratoire dans 15 minutes. Et Ikuo Ashizawa disparaîtra dans l'explosion. Nous n'avons hélas pas le choix. À vous, Sophine. Bien, professeur. Le compte à rebours vient de commencer. Dans 15 minutes, il ne restera plus rien. Évacuez les locaux. Thank you.
va être coupé dans le secteur 8. Oh ! Il est vivant ! On te croyait mort ! 10 minutes et 20 secondes avant l'explosion. Regardez, il a perdu son bandeau. C'est ce qui lui permettait de contrôler son pouvoir. Il est devenu furieux. Le Woken. Bao, je suis là pour toi. Je viens pour te tuer. Je viens pour te tuer! Qu'est-ce qui se passe, professeur? On dirait un tremblement de terre! Ce doit être Woken. Il est toujours vivant. Ses blessures ont cicatrisé. Dépêchons-nous. Te voilà, Bao. Je vais t'expédier dans les profondeurs des ténèbres. Où sommes-nous? La grotte aux stalactites. Le pouvoir de Woken a atteint une telle dimension qu'il a réussi à briser la croûte de roche. La sortie, c'est bien ça? Je veux pas. Non. Je veux pas. Je veux rester avec toi. Bao a un canon laser. Encore faudrait-il qu'il ait de l'énergie électrique pour le faire fonctionner. Voyons, son propre corps produit de l'énergie électrique. Ah, Bao, c'est moi qui t'ai créé. Je ne regrette pas de t'avoir donné la vie. Tu es une arme. Tu es une arme redoutable, un phénomène de guerre. Ah !
l'explosion n'a pas fait la une des journaux. Pourtant, c'était quand même grave. 6 personnes sont mortes et 2 autres gravement blessées. Un mauvais stockage de produits explosifs dans un laboratoire pharmaceutique, c'est ce qu'ils ont dit. Ils n'ont même pas parlé de l'adresse. Je l'attends. Je sais qu'Ikuo reviendra un jour. Au fond de l'océan. Il n'est pas mort, non? Je suis sûre qu'il se réveillera un jour, le jour de mon 17e anniversaire.